Bon appétit. Bon appétit à la maison. Bon appétit, ma grande. Bon appétit, maman. Ah, oh, c'est le fun, tes cheveux, c'est fluffé comme une mop. Oui, et c'est très pratique pour nettoyer ces hauts d'armoire, Marie. On est comme ça, nous autres, les taille-fer. On n'est pas capable de s'empêcher de vous faire partager nos affaires plates. Hé, hey, maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Oh, t'en rappelles-tu, maman, comme c'était bon quand on était petite? Ça, là, Marie, là, elle aimait tellement ça, la petite bonienne. Elle venait toujours en piquer sur le comptoir à chaque fois que j'avais le dos tourné pour prendre mes tranquillisants. Ben oui, c'était dans le temps que papa te trompait. Il l'a tellement trompé. Tu sais, Marie, les hommes, là, c'est comme ça. Faut toujours qu'il y ait un certain moment dans la cuisine d'une autre, voir si ça goûte meilleur. Mais finalement, ton spaghetti au fromage en tranche, le ramener au foyer. Ah, j'ai joué qui est tout double. C'était ça ou mes croque-monsieur au ballonné? Ah, oh, ça, le René en raffole. Ah oui, ma petite tarte au raisin. Donne les ingrédients des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Alors, mesdames, on prend des notes parce qu'il y a bien des affaires. Tout d'abord, des petites saucisses hot dog. Ensuite, de la sauce VH. Et ça, là, dans une fête d'enfants, t'es beau de petites saucisses hot dog dans la sauce VH, puis t'es entends plus de la journée. Hey, pourquoi c'est si compliqué des fois la cuisine, maman? Vous autres, les jeunes, là, vous avez tout cuit dans le bec. Nous, là, dans notre temps, Maggie, là, on n'avait pas de faux micro-ondes puis de congélateur. On dépeçait notre dinde avec un rouleau à pâte. Hey, veux-tu que je coupe tes saucisses? Brûle pas les étapes, ma grande. Dévisse le pot de sauce VH à la place. C'est jamais comme qu'on dit. Ah, ça, là, mesdames, il y a un truc quand c'est jamais comme qu'on dit. On donne des petits coups sur la pentée, comme ça. Puis c'est pas grave, les petits morceaux de vitre, parce qu'il y a plein de vitamines là-dedans. Oui. Alors, on verse la sauce VH dans le plat. Ah oui, Maggie, coupe les saucisses. Oui, maman. Et on va les mettre dans le four micro-ondes jusqu'à temps que ça fasse des ballons. Ah, oh, ça, là, la saucisse crue, là, c'est assez bon. Et c'est parfait pour les végétariens. Il n'y a pas de viande là-dedans. Mais si tu t'as demandé, maman, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, des saucisses? Ah, bien, t'es aussi bête de pas le savoir, ma grande. Maggie, dans l'autre sens qu'on coupe les saucisses. Oh mon doux, on dirait que j'ai laissé ma tête au salon de coiffure. Bon. Alors, on arrive avec notre sauce qui a bien bouillonné et on garnote les petits bouts de saucisses dans la sauce VH et ça donne, comme par magie, des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Ah, oh, ça, là, René en raffole. Oh, c'est un plaisir de le voir manger de la saucisse. Il aime tellement ça. Hey, c'est déjà fini, maman. Oh non. Alors, mesdames, demain, préparez-vous. Parce qu'on va faire cuire des petits biscuits Pillsbury dans lesquels je rajoute des Smarties. Mercredi, on va faire bouillir de l'eau au micro-ondes. Et ça, c'est pas évident, mesdames. Jeudi, on va beurrer une toast sans dépasser de la croûte. Et vendredi, à la demande générale, je vais refaire mon spaghetti au fromage en tranche pour ramener mon mari à la maison pour la fin de semaine. Bon appétit! Bon appétit! Hé, hey, maman, va falloir laver la vaisselle. Une chance que j'ai mon Tide. Voyons. Pop sac à vis, sauce sec, petit copain.